you say something, be gone. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est l'Arbre Rock. Comment allez-vous, boys and girls? Bienvenue aujourd'hui les amis sur Assassin's Creed Odyssey. Et j'ai le plaisir de vous retrouver sur ce jeu qui finalement me plaît particulièrement. Hormis ces phases de combat, on avoue que c'est gros sac à PV, hein. J'aime un petit peu moins hein, les parades qui sont pas très intuitives, mais sinon les graphismes, la fluidité, le gameplay, l'écriture, franchement, j'aime beaucoup. Alors de base, nous étions ici pour la découverte des batailles de conquête. Après celle-ci, après cette première bataille de conquête, nous avons donc fêté notre victoire et rencontré... fin de spoil. Des choix apparaissent. Un choix, un deuxième choix, donc deux choix. Je fais un des choix sur deux, évidemment. Vous allez voir lequel. Je ne m'y attendais pas, honnêtement, je pensais à ce choix, mais pas tout de suite. Vous allez voir hein, dans le contexte. Bref, en tout cas, des choix importants et en début de scénario assez marquants. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement, et j'aime bien parce que ça met un peu de peps. Mais franchement, je ne m'y attendais pas. Pour celles et ceux qui ont déjà fait ce jeu, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires votre choix personnel et pourquoi aussi le contexte. J'aimerais bien savoir quelle est votre version. Sur ce, sans plus tarder, découvrons quel choix s'offre à nous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était l'Arbre Balrog, à la prochaine. Ciao, bye bye. Bien. Le loup a donné l'ordre d'attaquer. Je suis content, Mystios, que tu te joignes à notre marche vers la gloire. Il est temps de porter le combat chez les Athéniens. Oui, il est temps qu'ils ressentent la colère de Sparte. Allons, Cléo s'attend. Toi, tu lis dans mes pensées. Nous allons gagner, pour le loup et pour Sparte. Viens, nous devons rejoindre le campement avancé. D'accord, je suis prêt. Suis-moi, nous devons nous préparer en vue de la bataille. Bon, parle-moi du loup. Un grand homme. Il mènera Sparte à la victoire. Et donc là, c'est au final, apparemment. Mais son regard se perd parfois dans la brume de ses souvenirs. Chut. Et j'y sens comme de la tristesse. C'est le chef militaire de Sparte. Mais c'est aussi un homme de chair et de sang. Pourquoi tu marches comme ça, frérot? Y'a personne, hein. Tranquille. Bon, en vrai, j'adore. Pour l'instant, le jeu, j'adore. Un peu le gameplay, des fois, sac à PV, hein. Sac à PV, les ennemis, c'est un peu relou. Mais bon, franchement, l'univers, insane. Je prends beaucoup de plaisir, hein. Je suis à 10 heures de jeu pour l'instant. Je fais beaucoup d'annexes, hein. Regardez, je vais vous montrer la map. Bon, déjà, évidemment, Kefalonia, tout fait, hein. Focus, je suis en train, là je fais tous les secondaires, là. Après, là, niveau trop élevé, zone rouge, compliqué. Du coup j'attends, hein. Faut que je fasse les quêtes principales évidemment. Le combat naval aussi, une dinguerie, j'adore. Franchement pour l'instant j'adore. La customisation du bateau et tout. Ok vas-y frérot. T'as trop stylé quoi. Sparte. Insane. Parlez. Tu es prêt à écraser les Athéniens? We are ready. Get ready dwarves. Après reddition de la puissance nationale, une bataille de conquête devient disponible. Athènes et Sparte récompensent à l'aide d'équipements, équipent... La défense d'une nation est plus simple, mais moins bien récompensée. Attaquer une nation est plus difficile, mais offre des récompenses plus élevées. Ok, donc, privilégier l'attaque à la défense. Why not? Allons combattre, c'est parti, nous sommes là, nous sommes ici pour combattre. Alexios, mon grand, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt à me battre. Parfait. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est de la merde? Oh! Ok. Oh, il y a du people, là. Ok. Bon, il n'y a pas de contexte. Un peu dommage. En vrai, ça a l'air tout fun. C'est parti. Ah, les esquives, hein. J'ai des gros problèmes avec les esquives sur ce jeu. J'ai du mal à... Je trouve qu'elles sont très dures à capter. Honnêtement... Ouh! Get out, bitch! Tiens, ton bouclier. T'en as pas besoin, mon ref. Qu'est-ce que t'as, toi? Un problème? Allez, ça dégage.
Ton bouclier, t'en as pas besoin. Par contre, les aptitudes sont classe. Je les trouve vachement stylées. Ah, elles sont pas faciles à capter, les esquives. On est... Ouais, putain, regarde ça. Vas-y, vas-y, comme. C'est dommage qu'on puisse pas changer les touches, parce que L1, R1, j'aime pas trop, niveau esquive. Wouh! Faut les bolos là! On est en train de perdre! Presque! On va enlever le verrouillage. Wouah, je me fais bolos hein! C'est une dinguerie! Allez hop, ça dégage! Toi! Wow! Wouh! Oh merde! Leandros, t'es qui toi? C'est qui ça le ref? Tu vas pas me faire chier longtemps mon pote? Moi je te le dis. Ouf! Viens m'attaquer. Allez attaque-moi, c'est un homme! Comme! Pardon? Eh ouais mon gars. Mais genre. Ouh. J'adore ce finish. Pour Sparta. Ouh. Ouh. Tous avec le roi. Tous avec le roi! Petit mélange d'univers, hein. Seigneur des Anneaux. Assassin's Creed. Yo, man! Oh, shit! Tu fous de ma gueule, mec! Fucking kidding me! Oh! Ça c'est bon ça. Oh! Man, you fucking kidding me, bitch! Oh! Ça c'est bueno! Next! Who's the next? You fucking bitch! Die! Oh, ils restent presque plus de vie, là. Ils ont presque plus de vie. Allez, tuez-moi ces Athéniens. Oh. Encore. Non. Oh, let's go. Victoire. Victory. La faction Sparte a vaincu la faction Athènes. Mégaris sera désormais dans le camp de Sparte. 23 soldats tués, 4 capitaines tués. Au fait accompli. 392 drachmes, 4125 XP et 9 de je sais pas quoi, prière précieuse, mes couilles et au bord de l'eau. Nice! Eh ben c'est cool! Petite cinématique, je suppose, pour la victoire! Petit point de main. Je peux voir le loup maintenant? Le loup réclame la présence du mercenaire. Ah, bah voilà! Oh! Annonce-lui que nous arrivons. J'arrive, frérot. Je regrette, mais il veut voir le mercenaire seul. Quoi? J'ai dit que le général... J'ai bien entendu, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne discute pas ses ordres. Très bien. Oula, lui il va nous faire un coup de pute de jalousie, je le sens. Oh merde. Apparemment, d'autres devoirs m'attendent. Oh! Elle est où? Faire parler Nikolaos. Ah, merci les gars! Il est où? Ah, il est là-bas. Nous y voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire? Oh là là, son père. Meurtrier! Il l'a tué!
Je sens qu'il y aura des choix cruciaux. Ainsi, c'est toi qui nous as apporté la victoire. Donne-moi ton nom, héros, que je puisse t'accueillir en vrai guerrier. Kéré, père. Cela faisait longtemps. Impossible. Je t'ai vu tomber. Je ne suis pas tombé. Tu m'as jeté vers ma mort. J'ai accompli ce qui était mon devoir de Spartiate. Et j'ai enfoui ce souvenir. Tu dois en faire autant. Tu étais mon père. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'y as contraint. Je ne faisais que protéger ma sœur à ta place. L'oracle avait déclaré que Cassandra devait mourir. Sa parole est sans appel, tu le sais. Il est trop tard, tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Assez. Je ne peux pas changer le passé, Alexios. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Tu savais qu'on offre une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. Et c'est pour ça que tu es là. Le devoir ne te protégera pas des fantômes du passé. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je verrai l'éclat de la vie quitter ton regard en te tuant de mes mains. Je vous aimais. Toi et ta sœur. Oh my god! Mais tu n'as jamais été à moi. Oh merde! Choqué. Oh my god. Oh man. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Dieu! Mais qu'as-tu fait? J'ai fait ce que j'étais venu faire. Me venger de l'homme qui a essayé de me tuer. Voilà ce que j'ai fait. Traître! Yo man! Mais qu'est-ce que tu veux toi? M'en bats les couilles, je vais tuer mon père frérot! C'est pas toi qui va me faire chier! Look at this sport part! Incroyable. Non mais je suis choqué! Gros, en fait, mais je voulais pas le tuer. Enfin, un peu. Oh non. Oh, I'm sorry, dad. Ouh, t'as une jolie culotte, dis donc. Non, mais, alors, il y avait la petite tête de mort rouge, mais je pensais pas qu'il allait le tuer maintenant. Alors du coup, faut que je fasse gaffe. Mais en vrai, il le mérite. Parce que t'es censé protéger tes enfants, fils de pute. Bref. Ok, bon... on va parler à Barnabas du coup. Ça m'a choqué, hein, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Hein. Le scénario est franchement très bien écrit pour l'instant. Ça met une claque à Origins dès les 5 premières heures de jeu. Ça se voit que c'est Ubisoft Québec, niveau écriture, ils sont très très bons. Alors, tu as tué ton père ? Oh, père. Oh, tu as ton père. Tu as tué ton père. Un beau parricide. Nicolaos m'a élevé. Formé. Il sera toujours mon père. Même s'il a tenté de me tuer. Et c'est mieux ou c'est pire? Peu importe, après tout. J'ai connu des familles bien plus compliquées que la tienne.
Merci. Je suis content de t'avoir avec moi, Barnabas. Et moi, je suis content d'être là. Tu as besoin d'autre chose ? Trouver ma mère. Elle est en vie, Barnabas. Du moins, c'est ce que pensait Nikolaos. Parera, pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Où est-ce qu'on va, capitaine ? Dans l'immédiat, à Phokis. Elpenor a dit qu'il m'y retrouverait. Il me doit de l'argent. Et une explication. Bien, Alexios. Et profitons-en pour interroger la Pythie. Si quelqu'un a des réponses à t'offrir, c'est l'oracle de Delphes. Les prédictions de l'oracle ont détruit ma famille. La Pythie détient la sagesse d'Apollon en personne. En revanche, choisir d'ignorer ses dires, c'est courir au désastre. Si nous avions ignoré la Pythie, ma sœur serait toujours en vie, et ma mère en sûreté chez nous. Au travail, alors. Tu sais où trouver Elpenor, j'imagine ? Il vit au débarcadère des pèlerins. Mais en mourant, Nikolaos m'a dit de me méfier des serpents dans les herbes. Je crois que tu ferais bien de te préparer avec soin. C'est surtout à Elpenor de se préparer. Retrouve-moi au temple d'Apollon, à Delphes, quand tu en auras fini avec tes serpents. Oh, Alexios ! Avec toute cette agitation, j'ai failli oublier. Il est arrivé malheur à ta maison. À ma vieille baraque ? Elle tenait à peine debout, déjà. Non, je veux parler de Kefalonia. Une maladie a frappé toute l'île. On dit qu'elle a commencé à Kaosos. Apparemment, il n'y a pas de remède et beaucoup sont morts. Malaka ! Ce prêtre avait raison. Si tu le souhaites, nous pouvons à tout moment revenir à Kefalonia. Merci, Barnabas. Je m'en souviendrai. Allons-y. Elpenor va devoir s'exprimer. Ok, et bien en tout cas, les cinématiques sont de qualité. Crédit Elix. Oh, j'ai reçu 200 Crédit Elix. Eh bien, je sais très bien ce que je vais acheter avec ça. Je vais acheter la voile d'Hadès. Ouais, je pense que je vais faire ça. Quête terminée, direction Phokis. Eh bien, en tout cas, je suis agréablement surpris de ce jeu. Level 13. On va mettre le petit point d'aptitude. Hein. Je sais pas dans quoi je vais le mettre. Ça c'est une bonne question, frérot. J'ai mis pas mal de choses dans corps à corps guerrier. On va peut-être mettre un truc dans l'arc, mais en même temps j'ai pas envie. Et peut-être un truc plus stylé là. Hein. Maîtrise de l'équipement. Ça. Pour la régénération de santé. Eh bien, en tout cas, les amis, je suis en compagnie de Barnabas à ma droite, de Bayek en bas à droite et de mon lieutenant à gauche. Oui, Bayek, c'est parce que j'ai le club Ubisoft, là, Ubisoft Collect, là, je suis à fond. Du coup, j'ai débloqué ça. Oh, le champ pirate, là, il y a une grosse vibe Black Flag. Hein. Ça se voit franchement que c'est Ubisoft Québec. La vibe Black Flag est là, les gars. Si vous adorez les combats navaux, eh bien c'est une pure dinguerie niveau naval, j'aime beaucoup. Sur ce les amis, après ce dur choix, le scénario m'a mis une claque, honnêtement je ne pensais pas à ça réellement. Je suis assez choqué. Je vous souhaite eh bien une bonne journée, une bonne soirée, c'était la Warlock, à la prochaine sur Assassin's Creed Odyssey ou autre chose. Ciao bye bye. Why are you running away? Game over.